Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers. Comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas, de mon côté, ça va très très bien grâce à Dieu. J'espère que de votre côté, ça va, ça avance. En tout cas, bienvenue, bienvenue à toutes nos nouvelles game changers, à tous les nouveaux game changers dans la famille. Sentez-vous à l'aise, n'hésitez pas de commenter si vous voulez que je fasse une vidéo particulière. N'hésitez pas de laisser le titre de ce dont vous voulez dont je parle, une question que je vous voulais que je puisse aborder, laissez-le en commentaire. En tout cas, bienvenue à la famille. Grâce à Dieu, la famille s'agrandit. Sentez-vous dans la maison, servez-vous, sentez-vous à l'aise, ok? Donc, c'est encore un honneur, un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui face à vous. Dernièrement, je vous ai parlé du dropshipping. Si tu n'as pas suivi ma vidéo sur le dropshipping, je mettrai le lien dans la barre d'information. Donc, n'hésite pas de cliquer sur la barre d'information pour voir cette vidéo, ok? Donc, je vous ai parlé du dropshipping. Le dropshipping, pour un petit résumé, hein, c'est juste le fait de vendre sur en ligne, de trouver les fournisseurs et d'être le middleman entre les fournisseurs et le client. Donc, tu crées ta campagne, ton site internet, tu envoies le trafic sur ton site internet et toi, tu prends les commandes chez ton fournisseur. C'est tout simplement ça, c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des idées de business. Où faut vraiment trouver les idées de business? Comment on fait pour trouver les idées de business? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez, les idées de business se trouvent partout. Ça va vous étonner, mais les idées de business sont partout. Il te suffit de voir d'abord autour de toi quel est le problème qui revient souvent, quel est le problème que toi tu rencontres, que ton entourage rencontre et tout, et comment est-ce que tu peux pallier à ce problème-là. S'il y a un problème, dès lors qu'il y a un problème, il y a business. Donc, le business, c'est tout simplement trouver les problèmes et puis les résoudre. C'est ça, le business. Donc, si tu vois autour de toi, il y a un problème qui revient, peut-être les problèmes de produits, peut-être des problèmes, je ne sais pas, il y a un problème autour de toi, peut-être un problème d'eau, peut-être un problème d'aliments, peut-être un problème de vêtements. Un souci qui revient le plus souvent, c'est déjà un business. Ça, c'est déjà une idée de business. Le deuxième endroit où tu peux trouver des idées de business, c'est, comment on appelle ça, Instagram. Instagram, c'est un endroit où tu peux trouver des idées de business. Tu vas me dire comment. Il te suffit de suivre des bonnes personnes. Si tu suis des personnes qui font dans l'entrepreneuriat, des gens, par exemple, si tu es dans le dropshipping, tu dois suivre les gens qui font du dropshipping sur Instagram. Ils vont publier les photos de business et tout. Tu peux t'inspirer de et avoir des idées de business. Si tu suis des influenceuses et tout ça, là-bas, tu vas avoir des idées de business. Si tu suis aussi des personnes... Des influenceurs, j'ai déjà mentionné ça ici. Des influenceurs, parfois, ils font les publicités, les produits, des gens et tout. Tu peux aussi trouver des idées de business là-bas. Donc, premier endroit, Instagram. Deuxième endroit, YouTube. Tu vas me dire, YouTube, comment? Je t'explique. Tu vas sur YouTube, tu tapes sur la barre d'information. Par exemple, tu vas taper ta niche. Par exemple, moi, c'est la beauté. Tu vas taper beauté 2021. Ou bien, tu vas taper beauty product less 20. Ça veut dire que les produits de beauté à moins de 20 $, par exemple, ça va sortir. Les gens qui ont fait des tutoriels sur des produits de beauté, ce sont des astuces que je te donne. Donc, j'espère que tu prends le don. Si tu vas sur YouTube, tu tapes sur les bonnes barres d'information. Ta niche, par exemple, perte de poids, moins produit perte de poids à moins de 20 $. Ça va sortir les gens qui ont fait des tutoriels. Là, tu as des idées. Deuxième endroit, ça, c'était YouTube. Le troisième endroit où tu peux trouver des idées de business, c'est Google. Google, comment? Tu vas sur Google, tu tapes, par exemple, best produit beauté 2021. Ça va te sortir la liste de produits, tu défiles là-bas, tu vois les blogs, tu vois les sites internet. Ça va t'inspirer la tendance sur le marché. Le quatrième endroit, ouais, le quatrième endroit où tu peux trouver des idées de business, c'est... Amazon, tu as bien entendu Amazon, on ne pouvait pas parler d'ici sans citer Amazon, le géant des géants. Donc, tu vas sur Amazon, tu tapes best product, par exemple si c'est la beauté, perte de poids, peu importe ta niche, tu tapes juste best produit, best seller, produit de Amazon et tout, tu tapes là-bas. Ça va te chercher la recherche, tu regardes les commentaires, tu vois qu'est-ce que les gens disent du produit, qu'est-ce que les gens pensent et tout, tu te mets un peu dans la peau du client, ça va te donner des idées et là, pouf, tu as des idées de business. Donc, c'est très simple. Je veux réitérer. Pour trouver les idées de business, premièrement, autour de toi. Vois autour de toi quel est le problème auquel tu peux résoudre et te faire un peu du money. Ça, là-bas, c'est la première idée. Pas loin, autour de toi d'abord, OK? Deuxième endroit où tu peux trouver des idées de business, très simple, easy, simple,
c'est Instagram. Donc, tu vas sur Instagram, tu vois les influenceurs, tu vois ceux qui font dans l'entrepreneuriat, dans ta niche, qu'est-ce qu'ils proposent et tout, quelle est la tendance. Et puis, il faut voir les publicités. Ok, tu peux aussi taper les publicités, tu regardes. Tu peux aussi faire la même chose sur Facebook. Facebook aussi, tu peux taper les produits là-bas. Ça va te sortir les pages, les groupes et tout. Tu t'inspires un peu. Mais Internet est le bon endroit pour trouver tes idées de business. Si ce n'est pas sur Instagram, tu vas sur YouTube. Tu tapes sur la barre de recherche YouTube. Best produit beauty, less than 20. Tu vas avoir $20 par exemple. Ça va te sortir des tutoriels. Tu t'inspires là-bas. Troisième endroit, Google. Google, tu fais la recherche et tout, best produit aussi, tu vas trouver. Quatrième endroit, c'est Amazon. Et pour finir, Facebook. Facebook aussi, tu fais la recherche des produits, tu vas en trouver. Donc voilà une vidéo très simple, comment trouver les idées de produits, de business et tout. Tu peux avoir le beau produit, tu peux avoir le meilleur service, mais il faut être bon en marketing. Il faut savoir qui est ton client? Quelle est ta clientèle cible? Comment tu vas les atteindre et tout? Tout ça là, si tu veux aussi que je fasse une vidéo à propos, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a inspiré, n'hésite pas de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et surtout, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Et surtout, n'oublie pas de passer sur Amazon et de prendre mon livre, l'indispensable clé de succès, la planification. Ok? Va sur Amazon, prends-le, il est disponible, le prix est abordable et tu peux aussi l'avoir. Maintenant, si tu es de passage ici, n'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne pour ne rater aucune vidéo et d'activer la cloche de notification là. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye, c'était Guy Clédiavel. Au revoir.